Je vous présente aujourd'hui la nouvelle triolet Gore-Tex. La triolet donc best-seller Scarpa chaussure très très connue depuis des années, donc renouvellement de produits pour nous. On a cherché donc à faire un produit un petit peu plus léger, un produit aussi un petit peu plus près du pied pour là aussi gagner en précision mais sans perdre en confort ni en durabilité. Donc on a retravaillé des nouveaux matériaux tout en gardant l'essence de la triolet et ce qui fait le succès de la triolet. Au niveau de la tige, donc, on est resté sur un cuir suédé, donc un cuir assez épais, assez résistant. On l'a renforcé aussi donc, avec des parties en lorica. La membrane Gore-Tex donc, qui vient rendre complètement imperméable la chaussure. Le renfort en gomme donc, sur l'intégralité de la chaussure. À noter donc, ce travail au niveau de l'avant donc, en deux parties. Avec un petit peu moins de tension, donc on gagne aussi en confort et en durabilité. Gros travail sur la crocheterie, puisqu'en fait les crochets donc, sont en acier avec une gaine en plastique pour faciliter le glissement du lacet à l'intérieur. Ici, un crochet autobloquant, très intéressant si vous voulez dissocier le serrage du bas et du haut du collier. Voilà. Au niveau du bloc semelle, donc on est sur deux matériaux. On est sur un PU au niveau donc, du talon, PU, un EVA et re-un PU sur les métatarses. Donc le PU est à mémoire de forme, super matériau qui va amener de l'amorti et qui va dans la durée. Voilà. Et le EVA, un tout petit peu plus mou, un tout petit peu plus d'absorption et qui permet aussi d'alléger le produit. Voilà. Au niveau du profil de la semelle, donc on retrouve la nouvelle semelle Vibram, donc avec un profil un tout petit peu plus marqué que sur l'ancienne triolet. Voilà, des crampons un tout petit peu plus haut, une densité de gomme un tout petit peu plus marquée, donc là aussi pour gagner en durabilité. Voilà, et on garde la climbing zone sur l'avant pour pouvoir grimper, puisque cette chaussure donc est semi-cramponnable, d'accord. Donc elle permet à la fois d'être utilisée en chaussures de grande randonnée pour terrain compliqué, accidenté, et d'être utilisées en véritable chaussure d'alpinisme pour des courses d'arête, voilà, des courses qui nécessitent un cramponnage en semi-auto. Voilà. Nouvelle triolet, elle fait 800 grammes, elle est très belle.